Et il me faut en tout. Ah, j'ai que des transports 2. Merde. Il m'en faut du coup 11. Oh là là, que ça va coûter cher. Oh putain. Ah ouais, ah non, mais là je pourrais pas tout produire d'un seul coup. Ça coûte 21 le transport. Ah ouais, mais ça. Oh oui, mais c'est pas très long à produire. 58 jours à produire. Oh, mais c'est pépère ça. C'est pépère. Attends, on va te les dégager. On va faire en sorte que tout soit prêt simplement pour quand mes Marines. Alors ils arrivent le 15 janvier. Oh, et là, j'en ai 12. Du coup, il y aura une île où il y en a deux. Ah ouais, quand même, rien qu'avec ça, je vais économiser. Et du coup, ça me les fera sortir le 3 février. Ah oui, et puis aussi, il y avait une possibilité de perdre le Chili. Donc là, par contre, ce qu'on va faire, alors on a des transports australiens. L'Australie, j'assume son contrôle militaire. Hein. Ouais, assume le contrôle de tout le Ah monde. bah je l'ai pas. Ah non, c'est la Nouvelle-Zélande, quel con. Assume military control. Voilà. Est-ce qu'il a un petit transport, lui? Il y en a au Mexique qui sont en train de se rebaser sur la côte ouest. Vancouver, parfait. Alors j'en prends un. Et est-ce qu'il y a une division qui peut être utilisée pour faire des petits débarquements? Il n'y en a pas. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, je vais prendre. Est-ce que j'ai des. Attends, est-ce qu'il y a des Néo-Zélandais qui servent à rien? Ouais, mais ils ont à peine de quoi tenir leur plage. Ouais, on est short en div. Ouais, c'est ça justement, c'est ça en fait que je cherche. Parfait, mon calcul est bon. Donc du coup, ça y est, la production des troupes a commencé. Alors par contre, je vais canceller ce projet. J'aime pas le faire, mais là, il n'y a pas le choix pour les nouveaux types de parachutistes. C'est normal que tu aies des territoires allemands là au niveau de Singapour. C'est parce qu'il a annexé l'anglais. C'est parce qu'il a annexé Ah, l'anglais, ok. du coup, tout n'est pas forcément repassé en son contrôle. C'est pour Ah ça oui, qu'il d'accord. veut tout. N'hésite pas à commencer à envoyer du ravito, Yun. Oui, dès que je peux, je vous fais ça. Putain, cette masse de tac, 78 escadrilles. Ah, ça va faire du bien, tiens. Oh Oula. là 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 là. Oh ouais, en plus il y a des Messerschmitt. Bon, ça va, le combat est équitable. Oh putain, si jamais ils passent devant moi, c'est la Bérézina ici. Ah non, c'est bon, non, c'est bon, ils arrivent dans 6 jours. Mon cœur, d'un seul coup, s'est senti mal. De battre ton cœur s'est arrêté. Ouais, presque. Putain. Et en plus, sachez qu'on a une 10 de milice qui est coincée parce qu'il y a ces putains de rebelles à la con, quoi. On sent que c'est l'Italien qui fait tout et qu'il a rien en art d'attaque, hein, le PP. Donc Glebocchi, il a des. Ouais, il a. Ok, bon, très bien. Puisqu'il a réduit un peu son nombre de divs, je vais en envoyer dans le sud. Après Anazic, une fois qu'il est repoussé, n'hésite pas à passer en ground attack. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ce que je veux là, c'est le faire dégager pour éviter justement qu'il puisse utiliser cette zone comme point de départ. Maracaibo. Merde, je me suis fait intercepter les. Normalement, j'ai les renforts Ouais, qui arrivent c'est dans bon, un coup, c'est il y a tes exactement, c'est fighters bon, qui viennent d'arriver. j'ai les renforts qui sont Ouais, arrivés. les fighters de PP prennent tarif, mais ceux allemands, par contre, ils bougent quasiment pas. Ils arrivent le 12 septembre, si je les fais en redéploiement, ils arrivent le 28. Allez hop! Vous arrivez le 14 septembre, si je vous fais en redéploiement, ça vous fait le 29, en avant! Il y a 7 marines, ça m'allait, vous en faites quoi? Tu peux les prendre, ils sont là pour garder la plage, mais il n'y aura pas de risque là-dessus, je pense. On sait jamais. Est-ce que tu pourrais limite pendant ton voyage avec les transports poser éventuellement une dive de mer de je sais pas l'Australie ou du Canada sur Malais et comme ça on récupère les Marines pour les utiliser ailleurs. Ouais. Oh un transport chargé. Oh le transport chargé. Ah mais oui c'est celui qu'on avait repéré la dernière fois. Et on va toujours pas l'avoir. Hein. Ah c'est bon Maracaibo là tu vas lui mettre une douille. Mais comment un transport peut aller plus vite? Ils ont sorti les rames. Ah bah là, ils ont des rames de compète, hein. Ah c'est les Japonais, hein. Ok, une nouvelle div d'infanterie à San Diego. Je me replie sur Kakuta ou pas, même si j'ai la supériorité aérienne. Ça dépend de l'état de la bataille, là je regarde pas. Bah, ça l'a un peu leur faveur. Alors, voyons voir, Kikuta. Ouais, tu vas pouvoir commencer à te replier. Hein. Je peux pas choper la flotte de transport, putain, c'est Laquelle? chiant Laquelle? celle qui est au-dessus de l'Australie. Au-dessus de l'Australie. Ah oui. Ok, tu la veux où? Mais elle allait où déjà? Ah ben, y a pas de mission en cours. Oh, c'est quoi ce truc de singe? Bah, en voilà en Australie. Elle est chargée, hein. Ouais, je sais, il y a 12 divs dedans. Bon bah du coup je te les envoie à Darwin. Ouais. Il renforce son dispositif à Prachuap-Kirikan dans la péninsule de Kra. Il va essayer de passer à l'attaque. Faut commencer à envoyer des chasseurs là-bas. Hein. Il a pas récupéré Singapour. Les chasseurs, t'en as plein à Bombay. Vu qu'il a pas la supériorité aérienne pour l'instant, on peut peut-être les utiliser. Tu en prends quelques-uns. Ah, je viens de casser Enigma. Ça va faire bobo. Normalement Non, non. ça va rien faire du tout. Ouais, à moins qu'il y ait une torpille bien placée, et ça c'est quand même relativement rare. Le Néo-Zélandais vient de me sortir une petite division. Elle va être parfaite pour ce que je vais entreprendre. Je t'ai envoyé un accord, Yun. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu.
Ouais, grâce à ça, je fais baisser le Dissen de 0,04 par jour. C'est pas dégueu. Oh oui, oh, c'est même très bien. Sachant qu'on est encore à 8,6. Oh putain, oh la vache, on a perdu des sous-marins là. Dans la baie de Tokyo, ouais. Ouais. Bon, bah, il va retourner aller au port. Ouais, vous avez vu Okinawa, il y a 12 dives. Et Ouais, genre. à Amami aussi, il y en a 6. Ouais, mais à Mani, on s'en branle. Bah en fait ça dépend, vous pouvez débarquer. Ouais, depuis Iwo Jima, vous pouvez débarquer. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc faudra faire un bombardement sur Okinawa. Il y a 9 transports qui servent à rien. Je vais aller chercher des réserves à Mogadiscio là. Massive Naval Invasion, parfait. Alors Ricard, là, t'en as de la div qui est sortie. Tu trouveras 6 blindés à San Diego. Parfait, tiens, ma Kuznetov vient de croiser les Espagnols. Et il est en train de leur mettre une tôle. Ok, Kuznetov vient de ridiculiser les sous-marins espagnols. Oui, bon, je sais, c'est dit comme ça paraît être un fait mineur, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Hein. On fait avec ce qu'on a, tout à fait. Hein fighters. les fighters qui arrivent à choper mes sous-marins. Oui. Écoute, Kuznetov qui même arrive à leur mettre des douilles. Mais monsieur... Monsieur Nikolai Kuznetov qui a battu 6 fighters alors qu'il était en plongée. Balèze. Ah, là, je veux qu'on l'appelle monsieur. Hein. Quand le charisme est supérieur. Ah là là, non mais là c'est ouais, c'est le karma là, c'est magnifique. Il y a eu des renforts sur Makaribu. Bah écoute, laisse-le avancer sur Kukuta et puis bah tant pis, hein, tu le repousseras à ce moment-là. Je vais le commencer, bah s'il avance sur Kukuta, je le tac. Oh là là, oh la bataille de sous-marin. C'est bon, rien n'a été perdu. Et IRL, tu penses que ça se ferait au canon ou à la torpille? À la torpille. Ah non, des sous-marins, le sous-marin ne combat jamais en dehors de la plongée. Hein. Parce que quand il fait surface, justement, s'il est en combat et qu'il fait surface, via les radios et tout ça, tu peux appeler les bombardiers. Et un sous-marin qui y mettra beaucoup de temps à plonger, tu peux le repérer, tu sauras où il va plonger, tu peux le torpiller. Non, non, ça se combattrait sous l'eau, ça. Mais bon, quand il y a des engagements de sous-marin, de base, le sous-marin n'est pas prévu pour se contrer lui-même. Ouais, c'est clair. On l'a passé à 1000 morts sur les pizzas, là. Si seulement on pouvait choper du blindé allemand, tu sais. Ah bah ça le blindé allemand, tu vois, ça c'est pas. C'est limite, c'est le cadet de mes soucis le blindé allemand. Hein. Et il commence à se diriger vers Nuestra Senora. Donc c'est bon, les blindés vont reprendre tranquillement leur orgue et je vais les attaquer. Là ils vont se retrouver, mais alors que le cul nu, et je vais pouvoir faire du bombardement. Et là, ça va être le tour aux as de la chasse chilienne de montrer à quel point ce sont des grands hommes. Ouais, donc ils vont pas rentrer grand chose. Oui, bah mine de rien, quand même, on est content qu'ils soient là avec leur full avion. Hein. Bon, je l'ai repoussé aux Philippines, j'ai envoyé les blindés qui étaient dans les transports canadiens. Putain, dire qu'on en est revenu là, quoi. Ouais, ouais, c'est pas joli. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, vas-y, pousse-le et si tu peux le wipe au passage, ça peut toujours être pas mal. Ah, ça m'étonnerait. Mais bon. Bah, oui, mais bon, après, ça t'étonnerait, mais justement, quelquefois, ça peut étonner. Et j'ai scouté Taïwan, hein, c'est impossible de débarquer, il y a 4 dives de garnison sur chaque plage. Et avec les problèmes de ravito des aéroports philippins, on pourra pas avoir de supériorité aérienne. Juste parce que la plage n'a pas été défendue. C'est bon, tu viens de lui péter la gueule à Cabanatuan. En Russie, c'est redéployé à Velmira, tout au nord. Bah, il a tourné, normalement c'était caché derrière, il a tout mis à la frontière. Ouais, je peux pas me permettre de perdre là-bas. Oh putain, 62 divisions! Ouais, là il veut passer. Merci de me l'avoir dit, j'avais pas vu. 65 même. Faut me redéployer. C'est en cours! Ouais, il va tenter l'attaque, ça va faire très mal. 1v1. Et hop, logistical strike sur la province, c'est parti, hop là! On y va. Ça y est, l'attaque est sur Tony. Putain, 75 divisions. Qui en a envoyé. Il a des trucs à Saigon. Il a 9 divisions d'infanterie prêts probablement à débarquer. Hein. Serait-ce la fin du russe? Parce que là, à mon avis, si j'arrive à les repousser, ça va être compliqué. Hein. Je peux les repousser, très clairement. Ça, normalement, il n'y a pas de problème. Mais ça va être chaud. Hein. Si c'est la fin du russe, on va arrêter. Ah bah là, on arrête, hein, si jamais... S'il y a une belle bataille finale en Russie, c'est peut-être marrant. Parce que là, pareil, moi... Il faut que je ramène tous mes avions. Et je peux pas les sélectionner, bien évidemment. Putain, là, j'ai peur hein, de l'attaque là qui arrive. Ouais, il est là. Ils sont là. Nous ne pouvons plus sortir, là.
Financer le Philippin en supply, hein. Il ravitaille pas. Alors, pause, Air Superiority, on y va, là on a plus le choix, faut sortir. Toutes les unités sur les Philippines sont en train de crever à cause du manque de supply. Et malheureusement j'ai pas beaucoup d'orgues, mais c'est pas grave, là je suis en Air Superiority numérique, donc en clair je vais l'ouvrir, boum. Allez tiens, oh putain, 83 fighters d'abattus, 110 contre 7. Oh putain, oh je le massacre, 133 contre 8. Boum! Allez tiens, première passe là. Oh là là, je viens de le massacrer dans les airs. Tartou, allez, on y retourne. Oh putain, là, il a envoyé du renfort. Il a envoyé du renfort. Heureusement, j'ai bien fait d'augmenter un peu ma chasse. Oula, par contre, là, c'est moi qui vais me faire ouvrir. Ah, quoique mes chasseurs arrivent quand même à placer des bonnes passes. Putain, mais les pertes qu'il fait, le japonais. Il est en attaque et pourtant, il te fait beaucoup plus mal. Joukov, où es-tu? Ok, ouais, c'est bon, t'es en train de le repousser. Singapour, maintenant, c'est bétonné. Parfait. Par contre, fais gaffe, hein, parce qu'il commence à passer à Suratani. Bon, c'est bon, apparemment, sa chasse s'est calmée. Et non, ah putain, l'attaque, ça y est, ça commence. Ouais, sur Maracaibo, ça va pas tarder à l'assaut. C'est comme en Russie, c'est comment ça stack. Voilà, malheureusement, je crains que ce soit la fin. Je commence à me replier, je me casse. Hop, dès le départ, dès le début là, tu vois, je dégage. Envoie la nuque sur Valmira, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ah non, mais du coup, conserve ton orgue, il renvoie des corps mobiles là-bas, hein. Tu pourras peut-être passer devant eux et les wipe, leur wipe tout ça. Mais mon corps mobile est en route, mais il arrive dans 6 jours. J'ai blindé un arbitre. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est un corps que j'avais. T'as des blindés et de la méca. Ouais, bah je vais prendre les blindés et la méca, ouais. Mais le temps qu'ils arrivent, ils arriveront le 5 octobre et ils mettront un bout de temps. Moi, de toute façon, la seule chose qu'il a tenté de me faire, c'est de me couper. Par contre, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est qui? C'est à la Norvège. Débile, barre-toi. Reste pas là. Parfait. Bon, il y a deux transports. Waouh. Écoute, hein. Ouais, que t'arrives même pas à couler alors qu'ils sont au port. Ils sont au port, immobiles. On n'arrive pas à les toucher, chef. Ouais, les motos arrivent. Un arbre, malheureusement, là. Je sais pas ce qu'ils font maintenant. Ils tuent les hommes sur le pont, mais je crois qu'ils font pas de dégâts au navire. Ils ont pas compris. Golfe du Venezuela, vous vous êtes fait intercepter. Ah oh, là putain, et le naval là, il est en train de se faire massacrer. C'est mon petit naval de reconnaissance. Ouais, mais on n'utilise pas ça pour de l'arco. Il a perdu la moitié de son escadrille. Oh là 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 là, putain. Il va arriver à Narva, et juste avant que mes renforts arrivent. Putain, ils ont encore... Oh là là, ils ont encore des 38T, quoi, mais la honte. Moi, je suis entièrement en T-34. Quand ils contre-attaquent en Inde, là. Ah, vous pouvez gérer. Avec que du Panther, que du P4, quoi. Bah alors, eh oui, je l'ai pas rangé, ma chasse, hein. Tallinn. Allez, boum. Tiens, les Hongrois, bouffés. Oh, par contre... Oh, la vache, c'est eux qui me mettent une tôle. Mais putain, j'en ai 47 contre 4. Ils m'ont collé 129 contre 11. Parce que là, il me faut des points dans le renforcement. Tu m'étonnes. Bah, en fait, c'est surtout les batailles aériennes qui ont été sanglantes. Allez, Akdov, dans 2 jours, il y a tous mes blindés qui arrivent. Vous avez combien de réacteurs nucléaires, vous? Je saurais pas te dire, attends. Il est où, fou? Ah, il est à Saint-Joseph, je vais regarder. Ah, vous avez un réacteur 6, vous. Et il va y avoir une pluie de V2 sur le rable. Merde, j'ai pas vu le rapport de bataille. Victoire à Solapour. À Solapour, ok, parfait. Alors, on j'ai tenu. Bon, ça va, la majorité de Mehdi va arriver à Gdov, Luga et Kingstead. Parfait. On devrait réussir à les repousser. Mes premiers renforts sont là. C'est parti, en avant toute, à l'attaque. On va voir ce qu'ils donnent un peu, les Anglais. Au Chili, ça se passe comment? Ah, c'est bon, il y a des plages par des plages sont séparées. J'ai une unité qui va se déplacer à la dernière plage, pas prise. Parfait. Alors, c'est bon. Ouais, mais... Par contre, en Colombie, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ok, Joukov est là! Attaque! Il me colle des pertes en Inde, l'Allemand, c'est incroyable. Parfait, ils ont déjà des panthères qui ont plus d'orgue. Ça fait du bien. Je savais pas que l'Américain était aussi nul au combat, quoi. Bah, sa force, en fait, c'est si tu lui files beaucoup d'artillerie, il est capable de faire vachement mal. Je suis en train de tenter de repousser Kerofrog. Ah, ça y est, je suis... Ah, il pousse. Putain, la double attaque qu'ils me font. Bah, de toute façon, ils ont compris que mon point central de défense, c'était c'était Joukov. Et vu qu'il est plus là. J'ai dû choper des trucs vers Porto, je sais pas. J'ai chopé des trucs avec mes navos, mais je sais pas du tout ce que c'était. Putain, mais les pertes qui me collent. Victoire, Surat. Elle a été coûteuse, cette victoire. Ah, t'inquiète pas, victoire coûteuse, là, moi, j'y goûte de nouveau. Défaite à Suratani, on a perdu. Bon, ça va, t'as du renfort derrière. Et putain, mais les noms de diffs qu'ils ont. Ouais, bah là, à mon avis, je crois pas que tu vas passer.
Si t'as des avions, utilise-les, mais à part ça, je crois pas que tu passes. C'est ce que je fais, c'est qu'il y a les tags qui passent de temps à autre. Je vais wipe 3 motorisées japonaises. Elles sont où ? À Raichur, et elles se replient, je crois, sur Nalgonda. Ça va, y a pas de blindé qui t'attaque, donc t'as beaucoup de soft attaque avec les motos. Et je vais peut-être lui wipe 5 types dans les Philippines. Je commence à me barrer de Kiro Frog, hein, donc c'est normal, il va y avoir une défaite. Oh, les pertes que j'ai prises ! La vache ! On a pris 70 000, bon, il en a pris 40 000. Mais c'est beaucoup de mignons que j'ai saigné à blanc. Sura, under attack, barre-toi. Voilà. Hop, plus d'infra. Bon, là, de toute façon, je pense que je vais devoir arrêter parce que je suis en train de saigner mon orgue et si jamais une contre-attaque, je tiens pas à ce qu'il me passe devant. Barrez-vous, barrez-vous. Fuyez, pauvre fou. Ce sont des Messerschmitt, ces trucs-là sont plus forts que vous. Fuyez dans la case d'à côté. Ok, les Italiens sont à portée du... Bah, repousse-les, hein. Tu les repousses et une fois qu'ils sont repliés, tu vas pas récupérer la case. Bah si, on va la récupérer, on va tâcher de la récupérer, mais uniquement pour... J'envoie les tacs en groupe d'attaque. Ouais, s'ils ont la portée, vas-y. Oui, ils ont la portée de justesse. Putain, mais dès qu'ils attaquent, ils avancent de 100 km et ça y est, ils sont de nouveau bloqués. Oh, les sous-marins. Oh, je suis en train de leur mettre une colle. Oh putain, il a coulé un sous-marin. Je sais pas si je continue l'attaque sur Kokuta ou si ça va tenir. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Kokuta. C'est limite, limite. Hein. Ça va être juste, hein, ça va être juste. Quel est le pourcentage? T'es à 54,9. C'est 54,9 depuis déjà 5 minutes, c'est là le problème. Ouais, mais il a plus beaucoup d'orgue. Bah ouais, j'ai les tacs de mon côté, il a pas la supériorité aérienne, donc je vous dis, je vous continue, quoi, mais... Ah, je suis passé à 55,3, je reprends. Bon bah alors c'est bon, tu continues pour l'instant. Tes tanks ont encore pas mal d'orgues. Bon, l'infanterie reste plus grand chose. Ouais, mais c'est pas grave, on fait avec pour l'instant. C'est hein. Ce qu'on dit, hein, simple infanterie, pauvre diable. Hein. Putain, Kuznetsov qui arrive à couler un sous-marin allemand. Mais putain, ça c'est le fait de guerre maritime de la flotte. Oui. T'es en train de recommencer à m'attaquer. Alors là, faut quand même m'expliquer, j'ai que de l'infanterie, pourtant je lui colle 1 pour 1, c'est que du char. T'as de l'artillerie, non ? Non. C'est des troupes vétérans ? Non. Par contre, c'est de la 1942, hein, donc en clair, c'est bandant. Hein. En ordre d'attaque, c'est 8. Hein. Je reprends le dessus, 56%. Vas-y, Carlas, fais-nous rêver. Ça va passer. Bon, ça va... Ah oui, mais il y a tous mes renforts qui m'arrivent. Ça va tenir, sans pression, mes amis. La mêlée aura été un petit peu délicate sur l'entrée, mais... Okay. Bon, bah sur le front russe, ça va. C'est beaucoup plus de peur et de mal qu'autre chose. Par contre, ils sont en train de te mettre cher avec leurs avions. Non, mais il n'y a pas la portée jusqu'à Surat Thani, Nizamabad, mais c'est pas grave. De toute façon, les miliciens, au pire, arrête de les faire avancer. Laisse-les reprendre leur orgue, parce que Nizamabad, clairement, ça tiendra pas. Ah, t'as perdu à Nalgonda. Ouais, c'est moi qui me suis replié. Ouais. Bah, de toute façon, t'avais plus d'orgue, donc... Il était temps d'arrêter les frais. Parce que là, on recoupe complètement... Aïe, 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 aïe. Voilà, mais moi, j'ai toute mon orgue, fils de pute. Donc, du coup, je vais te réattaquer. Ah, Narva, ça y est, il s'est barré automatiquement. Oh putain, toute mon infanterie, sans pression, bonjour monsieur, full orgue. Tu ne passeras pas. Telle est la volonté de Staline. Et sa volonté sera faite. Et sa volonté. Est-ce que Staline a dit que je passerais à Kokuta? Ah, ça, c'est une question à laquelle, bon... Il a plus beaucoup d'orgue, hein, donc... tu vois, les divisions qui ont plus d'orgue, plutôt de continuer à les faire combattre, fais-les s'arrêter. Comme ça, en fait, tu fais ce qu'on appelle du turnover, parce qu'une division qui n'a plus d'orgue n'inflige plus de dégâts, mais s'en prend quand même. Ouais. Tu la fais reprendre de l'orgue, et une fois qu'elle a un petit peu d'orgue, justement, tu l'envoies en support attaque par rapport à des divisions qui n'ont justement plus d'orgue. Et en fait, tu fais un roulement comme ça, en attaque, justement, tu peux limite asphyxier le défenseur qui, lui, justement, ne peut pas faire ça. Oh, les Anglais, la touche que je leur mets. T'as la masse d'avions qu'ils ont, mine de rien. J'ai pourtant renforcé ma chasse et j'ai du mal. Hein. On va remonter par le sud de la Colombie. Ça va être chiant, c'est bien prendre un tenaille. Il est en train d'avancer, là? En Colombie, je sais pas, mais je pense que oui, il est sur... non, il a pas l'air. Il a pris aucun de mes territoires, en tout cas. Si ça continue, je vais peut-être wipe des escadrilles bulgares au feu. Ils arrivent pas à les replier. Ah, putain, 7 contre 3, j'ai tellement d'orgue, ils arrivent pas à passer. Ah putain, j'adore ça. Et finalement, le Pérou, c'est pas une mauvaise idée hein, qu'il ait attaqué. Hein, parce que ça les fait chier, hein, mine de rien. Ok, c'est bon, t'es bien organisé, tu devrais pouvoir leur pousser à son glas. Et là, par contre, c'est toi qui vas avoir la supériorité. Ouais, mais j'ai pas de tac là-bas. Ouais, mais, mais c'est pas grave. Au moins, si jamais il te fait du bombardement, toi, tu peux l'empêcher. Par contre, je poursuis pas sur Kokuta, où je vais chercher la province. Tu vas chercher la province avec une seule division, si possible rapide, comme de la milice ou des trucs comme ça, et tu casses l'infrastructure et tu te casses.
Les tanks, éventuellement, ce que tu peux faire, tu les mets en support attaque, comme ça ils reprennent de l'orgue quand ils combattent pas, et ils sont tout de suite lancés à l'assaut dès qu'il y a un engagement. Une petite milice, voilà, une petite milice, hein. Victoire à son glas, parfait.